Aïe, bien salut, c'est AG, bienvenue pour ce 29e épisode. Nous devions parler à ce petit bonhomme qui nous doit une petite quête secondaire, donc on va lui parler tout de suite. Tu as l'air fatigué. Oh, ça se voit ce point-là? Bah, en fait, j'aime bien les chevaux, c'est pour ça que je voulais un poste en relais. Et bon, c'est cool, hein, mais qu'est-ce qu'il y a? On m'a assigné à ce petit relais perdu au milieu de nulle part, mais je me plains pas, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on bosse par ici? Je sais même plus si c'est le jour ou la nuit, tu vois le genre. Ah, ça a l'air pénible. Si encore je pouvais manger un peu de viande pour me faire tenir, mais les patrons jurent que par les légumes. Ah, oh, je vais avoir ça. Viande crue. J'aurais pas un petit truc pour toi? Une viande crue. J'en ai pas. Tu me le vends, bien sûr. Sérieux? C'est comme ça pas moyen de résister. Je suis prêt à te payer grassement. Voilà 100 rubis pour toi. Ah, bah voilà. Au moins, il est content. Et son ventre aussi. Si là tu trouves à nouveau de la venaison divine bien crue, tiens-moi au jus. Très bien, donc si jamais on peut lui ramener. Mais on a réussi notre petite quête! Et aussi ce chien qui nous a bien dirigé vers un coffre qu'on pouvait voir. Mais il existe aussi des coffres où le chien doit creuser justement pour le faire découvrir. Alors! On s'était arrêté à ce petit relais. Toi, je vais te parler. T'as bienvenue dans notre relais, voyageur, tu es ici chez toi, hein? T'as vu, elle est belle, hein? C'est alors, quel superbe animal! Veux-tu changer le harnachement de ton cheval? Ou bien lui coiffer la crinière? Je veux bien. Je m'occupe que des chevaux qui ont été apprivoisés avec amour. Ils font les meilleurs compagnons. C'est le cas du tien? On dirait que ton cheval ne te fait pas encore confiance. Mais l'amour et la tendresse viennent à bout de toutes les résistances. Ok. Donc, on pourra revenir la voir. Quand on aura donné assez d'amour à notre cheval. Tiens, de l'amour. Alors, le sanctuaire, voilà. C'est là où je voulais en venir. On va y aller. Et je lui donne tout l'amour possible en même temps. Voilà. Elle est contente. Doudou. Caresse. Ok, merci. Ryotaro. On y va. Qu'est-ce qu'on a au travers des portes? Ok. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça s'est fermé à clé. Bon. Ça. Une boule, une sphère. Qu'on va pouvoir mettre là-haut. Ah. Ok, avec un coffre de ce côté. Poser ça ici, comme ça. Si on fait redescendre ce truc. On met la boule dedans. T'es sérieux? Quand je fais pour la récupérer maintenant? Voilà où. Voilà. Pousse jusqu'au bord. Que je puisse la récupérer. Hop. On se colle bien cette fois-ci. Voilà. Et ça, tu peux repartir. Je récupère aussi mes flèches. Ouais, mais il me faut la clé là-haut. Là. Non, on peut pas. On va aller voir de ce côté. Comme ça, on a réussi à le mettre.
Là où on n'a rien. On avait un coffre de ce côté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... J'ai envie de tester. Ah non, ça va être chaud. je vais remettre peut-être le truc normalement. Non, c'est bon, je peux passer ici. La petite clé. Parfait. Ah ça, on va recommencer. Look. On ouvre. Avant de retirer dessus. Et voilà. Huss. Coffre. Oh. Lame régime, distance de lancer. Pas très très puissante. Je vais faire 100. Ok. Je vais faire un truc. Voilà. Eh oui, ça passe. Merci le slow motion. Une nouvelle bouboule. Et pour nous. Merci bien. Et on se casse. Oh oh oh. C'est pas très bien ce truc. Hop. Je vais remettre aussi ma quête principale. Les créatures divines. Voilà. Donc, toujours en route. Ah, on s'approche, hein. Je vais retourner au relais. Est-ce que je lui ai donné assez d'amour? On va voir ça tout de suite. Excuse-moi, est-ce que tu peux regarder? Est-ce que c'est bon? Ouais. C'est bien, ton cheval a un regard franc et droit, mais on dirait qu'il ne te fait pas encore entièrement confiance. On en est où? Emmener un cheval. Blanche, affection 79. Ah ouais, on a encore un petit peu le temps. Hein. Bon. On verra ça un petit peu plus tard pour le coup. Je vais peut-être poursuivre par ce côté. Oh! Il y a un souvenir qui est pas très très loin. Bah, d'ailleurs, il y en a même plusieurs. Dont un là. Des balises que j'ai posées. Il y a pas mal de trucs là. La valise, c'est quoi? C'était pas une tour? C'est vers où? On va voir, je vais continuer mon petit bout de chemin par là. Ça. Oh, je pense pas, ça va être un sanctuaire. Hein. Bon, on va voir de toute façon. Oh! Sanctuaire à proximité. Et il y a des ennemis. Hein. Alors toi. Flèche de glace. One shot. Baguette de feu. J'aurais pas un truc à acheter. Non, que des bonnes armes. Je vais laisser ça comme ça. Un ennemi là-haut. En route blanche. Deux ennemis même. Trois. Ok, il y a du monde. Yeah. Ouh, one shot. Bon, les autres sont un peu loin. On va recommencer.
One shot. Toi, tu me tournes le dos, mais tu vas mourir aussi. C'est bien, Blanche. Je vais récupérer toutes les ressources. Alors, il y a un sanctuaire quelque part. Est-ce que c'est le truc rouge que j'ai balisé? Je pense que oui. Allez. Là, on a une cascade. Hop là! Non, mais... Pas contre le tronc. Et là-haut, un Korogu. Oh oh! Un inox. Reste ici. Doucement. Bien. Pose ta main par terre. Sans faire trop de bruit. On va essayer de monter dessus. Ouh. Ah, il fait un bon dodo, hein. Très bien. Je suis quoi comme arme? Épée électrique. Allez, vas-y, la longue épée de vertu. Fais-moi monter. Que je m'occupe de toi. Yes. Oh, tiens. Ok, je suis passé à travers. Tout est normal. Quand c'est relevé, j'ai pris des dégâts. Wouhou. T'es trop proche. Tu te calmes. Hey, sérieux, je touche son groin à chaque fois. Voilà, c'est mieux. Yes. Il se protège. Je devrais mourir vite. Et il est mort. Cimetière du clair de lune, coup de grâce. C'est propre ça. Très propre. C'est pas dans le chevalier. Hop là. Parfait, saumon max grillé, de la bouffe, et reviens par ici. Calme-toi. Alors c'est quelque part, ça va être en dessous, mais je vais aller chercher le Korogu avant, qui est de l'autre côté. Hop là. Bien. D'accord, elle était juste ici. C'est-à-dire qu'on le voyait à travers les montagnes lors du précédent épisode. Hop. Et tu vas te mettre là où il faut. Korogu ! D'escanner. Hein? C'est rien. Let's go au sanctuaire. Il y a même un bateau. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a? Des cailloux, il doit y avoir un rocher quelque part. On ira voir juste après. Oh bon. Épreuve basique de force. Oh tiens, regardez ça. Ok. C'est bien ces armes-là. Zouf.
Sois prêt pour le combat. Je vais me protéger tout de suite car chacun va me tirer dessus. Ouais, voilà, c'était sûr. Allez, tape. Wouhou! Yeah! Oh putain, c'est... Putain, comment c'est efficace. Allez, t'es bon. Schlink. Voilà, tranquille. Bon, épreuve basique en même temps. Un cœur antique, bien. Niveau arme maintenant, là je suis bien. Des armes puissantes, un peu différentes. Merci. Vraiment stylé les couleurs. Hein. Alors là-haut, ça fait quand même un peu loin. On va y aller avec Rionis. Voilà. Et tu montes. Huss. Passe pour en dessous, sinon on va te casser. Voilà. Très bien. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au rocher. Il y a du poisson. Perche enduro. Yes. Alors, on va mettre ça un peu plus loin. Un petit peu de nage, ça fait pas de mal, de toute façon. Voilà, comme ceci. Il y a des canards. Il doit y avoir un rocher pas loin. J'espère qu'il est pas tout en haut. Non, c'est bon. On a juste ici, sur la berge. Pour plusieurs essais. Un peu plus. Oh, t'es sérieux? Voilà! Je peux pas faire mieux. Hein. Très bien. Korogu! Sans escalier. On va peut-être remonter la cascade, tiens. Ça pourrait être pas mal. Hop. Peu importe. Allez, voilà. De toute façon, on va pas aller trop loin dans le sud. On va aller chercher les petits souvenirs et les tours. Oh, c'est de l'eau glaciale. Oh shit. Hop. Suffisant? Non, je peux perdre la vie. D'accord. Ah ouais, rivière de l'au-delà. Ah, mais on est retourné dans la zone du premier épisode. Et donc ça arrive juste ici. Salut les gars. Il fait complètement froid ici. Ouais, nous on n'avait pas fait le tour par là. J'ai pris cher quand même. Ah, c'est une plaque que je peux bouger ça. Ok. Il y a une deuxième ici. Justement. On peut se créer le pont après. Pas comme ceci. Très bien. Alors vous. Arc du faucon avec de l'aigle. Vas-y, arc du faucon. Ça va être pas mal. Voilà. Rêve direct, pas besoin de se faire chier. Et pour monter, c'est là. Hop,
Gaspillons pas quand même. Il y en avait encore un. Pas pour longtemps par contre. Les flèches je prends. Ça je prends. La tour, elle est vachement loin. Un bois brut. Un autre coffre. Et des flèches. Attends, c'est les zones du début. Hein. Donc c'est normal. Alors. Il y avait un souvenir par là. Donc au niveau de ce sanctuaire. Là-haut aussi. De toute façon, je pourrais revenir ici. Il y a une blanche qui est pareil juste à côté. Ouais, bah écoute, on va se téléporter là. Et on va aller chercher le petit souvenir. On va s'occuper un petit peu de ça. De toute façon, on est en chemin, hein, tout de même, vers l'objectif. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, là-haut. Un petit jeu de Korogu. Chromoblin. Parfait. Là. J'en entends encore un. Où est-ce qu'il est? Ici. Hé hé! Hop. Tiens, lui. J'ai changé mon arme. Épée électrique. Yata! Oh merde, je l'ai raté! Vas-y, tape! Bon, par ici. Et tu meurs. J'ai cru qu'il aurait tapé plus lentement que ça. Alors, souvenir quelque part par là. Ça, je prends. Et on va essayer de le trouver. Sur notre album. Hop. C'est celui-là. C'est sur un petit truc. Plus du côté gauche. Ça là-haut. Pas le sanglier. Ici. Parfait. Il monte son cul en plus. Il faut que je change mes armures aussi. Attention, on est reparti. Pour un... Souvenir ! Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine... C'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Et toi? Cette épée que tu portes, parviens-tu à la manier convenablement? Et cette voix qui est censée résonner dans sa lame? Est-ce que tu l'as déjà entendu? Non. C'est qui? C'est Faye, Navi? Oh.
C'est dans la poche. Eh bien, on va pouvoir l'enlever. La carte. Ça dégage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tour qui traîne quelque part aux alentours? Ça, elle est déjà faite. C'est un buisson. Hop, je vais rejoindre le petit monument. Attaque tornade! Comment ça pleut? À chaque fois dans ce jeu, quand il faut monter quelque chose, il pleut. Ok, lui il est remonté à la surface. Aïe! Très bien. On est mieux comme ça. Plus de défense. Ancienne garnison de Komolo. Que dalle. Ah, ça, on peut le brûler. Hop. Un caillou. Kologu! Ah, ça me rappelle qu'il y avait un Kologu pas très loin. Quand on était encore au début du jeu. Dans l'espèce de crâne là, la maison des Moblins. Remplacer la balise. Ok. Ah là-haut. Je crois qu'on va devoir y aller à pied. C'est vers où? Ah, c'est quand même assez loin, mais c'est pas grave, on va y aller. Le souvenir, il y en a un là et un ici. Ok. Puis on va aller prendre un cheval. On ira beaucoup plus vite. Comme ça, on aura peut-être le temps à faire les deux souvenirs. La tour. Tu vois là? Attends pas. Ouais, bah, il m'a vu. Ah, quoique. Par contre, lui. Oh, l'enfoiré. Tiens. Je t'apprends le respect. Donc ne pas être derrière, même si on veut jouer le malin en courant sur lui. Ça marche pas. Calme-toi. Maintenant, emmène-moi là où je veux. Ah bah écoute, on va passer par là. Sois toi. Calme-toi. On n'a pas quelque chose là-dedans. Non. Juste un tronc d'arbre arraché. Et voilà, ça va plus vite comme ça. Oh! Joli l'arc-en-ciel. Eh. Super ce truc. On n'avait jamais vu. Dans le jeu, hein, bien sûr. Encore par là-haut. Les souvenirs
du début de la série. Il est juste passé par en bas. Hein. Pas très loin. Oh putain! Wow! Je vais te calmer direct! Wouhou! Putain, y'a les autres aussi qui me font chier. Yes! Wesh, mais pourquoi ça passe pas? Wouhou! Doucement, les gars, y'a trop de monde là. Je suis en train de prendre très très cher. Vas-y, les perches. Voilà! Ok, là, on a rien à foutre. On va manger. Je suis entouré d'ennemis là. Putain! Je me fais mes zigouillas à mort! Mais décassez-vous! Toi, déjà. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant je peux m'occuper de toi. Voilà, ça marche mieux. Avec ces enfoirés de monstres autour. Voilà, quand on n'est plus dérangé. Ouh. On a eu chaud hein, par contre. Hein. Oh shit. Ah, quand il y a beaucoup d'ennemis, hein. Maintenant, il est où mon cheval? Est-ce que c'était celui-là là-haut? Non, c'était pas lui. Il est là. Est-ce qu'il est arrivé par surprise, quoi, sur le côté? Allez, reviens là. Ah, c'est même pas le même. Où est-ce qu'il s'est cassé? C'était la guerre ici! Hop là. Voilà, ça va les calmer direct. Et on n'est plus très loin. Reprenons nos esprits quand même. Hein. Quelque part ici. Ouais, ça me tue. Enfin, on se noie. Ça sera mieux. Parce que c'était vraiment un souvenir que j'avais marqué, ça. Il y a beaucoup d'ennemis. Flèche normale. Un peu plus haut. Parfait. Ok, ça touche. Très bien. Ouais, bon, je vais devoir y aller directement. Eh ben écoute, on va venir les chercher. De l'action! C'est ça, casse-toi. Allez, épée royale. Oh, 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 oh. On fait n'importe quoi. Salut. Parfait, voilà. Bon. Ah mais... Il a traîné son cadavre avec moi, quoi. Yes. Tombe pas. Voilà, là, 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 là.
Non, 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 on refait pas la même chose. Et toi, je vais te calmer aussi. Waouh. Trêve. C'est mon épée royale. Prends-le dans la gueule. Très bien. Regarde ce que je vais faire. C'est toi, t'arrêter. Prends une autre arme. Et voilà. J'arrive en brut. Pareil, ça va bientôt crever dans ta tronche. Ça lui a fait mal, hein. Je prends tout ça. Un coffre. Sans tomber. C'est mieux. Un peu bien argenté. Ça pourrait m'arriver, là. Il y a une épée là-dessus. Ok, je pourrais la chercher, mais bon. Et là-dedans, quelque part, il y aura un souvenir. C'est vraiment cette zone, tu vois, que j'ai peut-être marqué. J'en sais rien. Par là. Hop. C'est en hauteur. On a que des piquets en fait. Et ça fait bobo. Parce que là je vois pas grand chose. Hein. Tiens, il y a des météores qui sont tombés. Voilà. De toute façon, on peut regarder notre album, mais je pense pas que j'ai quelque chose par rapport à ici. Hein. Non, non plus. Ça non plus. Ça y ressemble pas. Ok, non, j'avais juste marqué pour ça en fait. Très bien. Je mets la carte. On va retourner un peu plus haut. Ouais, faut que je retourne par là par contre. On va remanger un coup. C'est parfait. C'est une hachette? Non. C'est une grosse hache. Faire le petit tour. Donc ça, finalement, j'ai remplacé par une tête de mort. Et j'irai revoir ça, du coup. Pour être sûr. Il y a eu de la baston, hein. Hop. Ok. Ça, ça se voit, hein, quand ça manque de combat. Tu vois que tu commences à galérer un petit peu. Tout là-haut. Mais bon, il y a eu des moments drôles quand même. Le cadavre qui tombe et qui m'emmène. What the fuck, quoi. Là-haut. Allez, vous faire les chauves-souris. Hop. On va aller comme ça avec la technique. Wouhou! Ah, mais vous êtes sérieux, regarde-moi tous ces. Crevez. C'est bon? Ça a l'air d'être bon. Inox et un gardien. Vaut mieux aller s'occuper du gardien. Ah, c'est l'épisode de l'action là. Oh. Ça tape des trucs énormes depuis tout à l'heure. Il est où? Il est là. Allez, viens par là. Ce! Dans ta tronche. Allez, encore. Ya! Une dernière. Et tu meurs. Salut.
venu. Parfait, plein de trucs antiques. Ça nous servira. Ils ont décidé tous de m'emmerder aujourd'hui. Allez, crève. On va s'approcher tout doucement. Je perds ta flèche. Pas un truc pour rigoler, tiens. Est-ce que ça va pas le réveiller? J'espère que non. D'accord, j'ai compris. Yeah. Oh, ça lui en fait rien. Ça lui fait rien. Et bah prépare-toi. Je suis là hein. Je suis ici. Wow. Allez, arrête de bouger. Ta-ta-ta-ta-ta, mon drague de chevalier qui m'a tout pété. Parfait. Une grosse arme. Pour que tu meurs vite. Ya. Wow, shit. Manchette de viande. Mon drague va péter de toute façon. Tu veux pas? Ok. Moi, je vais le casser sur ta gueule. Parfait. Et tu meurs. Putain, les bombes, t'as vu, ça marche pas quand il dort. Bizarre ça. Petite truite grillée. Alors, moi, ça me fait reprendre du service. Hein. Tant d'action là. On est gâtés. Je sais même pas s'il me reste des fées. Okay. Et j'ai plus mon pouvoir. C'est vers là-haut. Encore un gardien. J'avais pris en photo. Attends, on va utiliser cette arme quand même. Waouh! Oh, oh, oh. Aïe 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 aïe. Ouh, il fait mal. Ouh, comment il me spam. Mangez, mangez, mangez. Là. No panique. Casse-toi. Et puis l'autre qui me tirait dessus. Putain. Oh, je sais pas si je vais rester là, moi. Très bien. Très bien. Ah ouais, ça va être chaud, quoi. C'est l'autre qui me fait chier derrière. Ça, je garde. 4 vies, 3 vies. Hop. Ah et ben merde l'autre. En plus c'est pas des petits monstres à la con hein. C'est un argenté, ça fait mal. Putain. On est en train de gaspiller toute notre bouffe. Dans le pire des cas je crois qu'on va se barrer. Ça régénère beaucoup de vie, ça. De l'attaque. Ah, j'ai presque plus rien, là. Hein. Récup total, ça, ça peut être pas mal. Tempo, essence électricité. Pas intéressant, tout ça. Hop là. Ah, non, 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 non. C'est trop la merde, ici. Écoute, on va retourner au niveau du sanctuaire.
Là, il y a un monstre argenté et plus il y a le gardien, je suis en train de prendre trop cher. J'ai pas assez de défense. Et à chaque fois que je me relève, je me reprends un coup dans la gueule. Donc, vaut mieux se calmer. Voilà, là on est bien. J'ai pris extrêmement cher. Peut-être même faire à manger. Ouais, les gardiens, je veux bien en affronter un, mais si tu me balances d'autres monstres à côté... Voilà quoi. J'achète. Oh merde. Ok. Cuisine royale. T'as une quête secondaire pour moi. Voilà pour moi. Bon, ok, j'ai réussi à lui donner le truc. Et on va faire à manger. Besoin de faire à manger. À la limite, je suis en sueur, quoi. Hop là. Voilà. Bonne brochette de viande. Il me reste une fée. Est-ce que j'ai encore d'autres trucs à faire cuire? Une baie? Allez. Très bien. On va laisser ça comme ça. Je vais reprendre Blanche. Oui. Bientôt 100 en affection. Ça c'est cool. Ok. Et puis tout de suite on va y retourner. Alors peut-être me reposer aussi. Comme ça on le verra ensemble. Je vais dormir. Allez, un lit moelleux. Jusqu'au matin. Ah, merci bien. Et ça donne un cœur en plus. On peut y retourner. C'était par là-haut. Il y a la tour. Ok. On va suivre ce truc-là. Bon, on va chercher le souvenir tout de suite. C'est quand même... Ouais. C'est quand même dangereux, hein. J'y retournerai bien, quand même. Allez, on a peur de rien. Plus par là. Faire attention aux ordres d'ennemis. Autant ça aurait été un moblin tout gentil, simple. Ok, ça aurait passé. Mais le mec, il spammait les flèches. Et en deux coups, je pouvais mourir, quoi. C'est ça le truc chaud. Tout à l'heure il y avait plein d'ennemis avec un gardien, là il y avait un seul, mais trop puissant. Gardien. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Oui, c'est le même que tout à l'heure, j'y vais pas. Calme-toi. Hop, roi gentil. Pour moi. Puis j'espère qu'il est tout seul. On va s'occuper de lui. On va se venger. Allez, vas-y. Non, flèche normale. Parfait. Et celui-là, on va lui couper les pattes. Puis ça fait du drop. Voilà. Tu joues moins malin, enfoiré. Allez, on va le taper avec le bouclier. Je vais pas gaspiller mes armes inutilement. Yap là. Il se casse la gueule. Par contre, faut lui toucher l'œil. Ça ne perd pas beaucoup de PV.
Récup total. Là, on est bien. T'as un problème? Je suis là. Voilà, très bien. Yeah! Ça allait mieux. Allez, file-moi tout ça. Rien par là. Y'a blanche. Hop. La carte, s'il te plaît. Dans l'autre sens. S'afficher sur la map. Pas mal de dépouilles aussi. Hein. Par contre, il y en a un vrai. Hop. On y va. Pauvre. Je suis ici. Pousse-toi, blanche. Là, il y a du combat, les gars. Et voilà, t'es bas. T'as vu, à chaque fois, je me concentre hein, quand même. Pas rater mon coup. Putain, encore un là-haut. Ouais. En même temps, on s'approche du château de Ganon. C'est normal. Tiens, il y en a même encore un au fond. Ok. Ah ouais, c'est carrément à l'intérieur ou quoi? Un de ce côté aussi. Hop. Bon, moi je m'en suis protégé. Hein. Je vais me rapprocher. Aïe. Ça fait mal. Mais... Waouh, pourquoi ça passe pas? C'est vraiment bizarre. Des fois, ça passe pas du tout. Hein. Non plus. Il me faut une grosse arme. Ça. Ça, c'est très bien. Relève-toi. Oh putain! Je suis dans la merde! Tant pis. Ouais, non, ça marche pas. Il dit qu'avec une grosse arme, apparemment ça le faisait déconner, mais là. Peut-être taper un gros coup. Ouais, non, 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 non. Fais n'importe quoi ou doucement. Hop là, je vais manger ce qui vient. Parfait, Radimax. Ok. Aïe. Wouhouhou. Je me fais emmener. C'est bon. Eh ben dis donc. Ah oh, j'en peux plus là. Ouais c'est ça comme ça. C'est un œil hein, ouais. Passe. D'accord. On est des fous. Ah ouais. Je vais passer comme ça sur le côté. Est-ce que je suis pas parti trop loin pour...
Ruine de la place centrale. Ah, ça a pas l'air d'être ici, hein. Utiliser mon bouclier quand tu veux. Très bien. Déjà, je vais manger. Ça serait pas mal aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bouffer? Est-ce que j'ai presque plus rien maintenant, moi, hein? Voilà, ça marche mieux. Voilà, c'est plus le bouclier d'Aru qu'a pris. Yes. Allez. Oh. Voilà, enfoiré. T'apprends le respect. Alors, c'est pas ici, on s'approche trop du château. On va retourner en arrière. Le souvenir n'est pas là. Il est en dehors. Ah, je te jure, je suis en nage là. Hop, par là-haut. Ah, faut que je ressorte par ce côté par contre. Je vais pas trop rigoler. Je vais même faire de la grimpette d'ailleurs. Ok, bah c'est ça là-haut. Est-ce qu'il me tire dessus? Encore un là. Avec mon cheval. Il a l'air d'être tout seul lui. Ouais, mais si tu tires contre les murs aussi. Allez, vas-y, mon gros. Yeah! Encore. Ça touche, c'est pas grave. Je me fais tirer par derrière. Vite! Si tu crois que je t'ai pas vu, toi là-haut? Parce que c'est vrai qu'il m'a protégé, hein, heureusement. Ah, mon cheval. Ouh. Alors, je m'attendais pas du tout à faire tout ça. Hein. On est des cinglés. Bon, j'avoue qu'on n'a pas super bien géré, mais bon. Allez. Un autre souvenir pour se poser un tout petit peu. Ça va faire du bien. Et après, on va à la tour et on va s'arrêter ici. Hein. Ah, c'est bon, j'en peux plus. On se fait attaquer de tous les côtés. Et on a bien bouffé, hein. On a pris plein la gueule. Bon, eux aussi en même temps. Souvenir! Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. De pureté. Venu de c'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Mmh.
C'était pas mal, hein, mais dommage vraiment que c'est spoilé par contre le quatrième personnage. Oh, on est reparti. La carte. Hop. On efface. Ouais, ouais, j'étais passé juste à côté, quoi. Ok. Encore un gardien de ce côté. C'est bon maintenant. Direction la tour. On a eu suffisamment d'action et tout ce qu'il faut, hein. C'est pas un Littorok, ça? À côté, s'il te plaît. Merci. Hop. Ah, tant pis, je vais pas les voir. On va pas s'arrêter sur lui. Ok. Allez, on est presque à la tour. Ah, il y a encore des gardiens. Oh mon dieu. Bon, on va s'en occuper. Ça va, mon gros? Personne me vise. C'est bon. Ah. Ok. Allez. Voilà. Un autre fond. Je vais aller me le faire aussi. Et après on montrera ça. Ambre brute. Vas-y mon gros. Prépare-toi à mourir. Ah, c'est pas passé. Voilà. Ok. Ouh. Eh ben dis donc. Tu me diras ce que t'en as pensé, toi. Il y en a encore un là-haut. Bon, lui, il ira se faire voir. Tour de la plaine. Il est temps qu'on se quitte quand même. J'avais pas prévu un long épisode. C'est vrai que je me suis emmené sur des chemins. Ouh. Affronter des gardiens avec plusieurs monstres. C'était pas la bonne chose. Mais bon, on l'a fait, hein. On n'est pas mort. On a failli plusieurs fois. C'est bien fait défoncer. Mais voilà. Hop. Ah, j'y suis presque. Ok. Allez, on monte. On va pouvoir activer cette tour et s'arrêter ici. Ça fera un bon épisode. Et c'est pas ce que je comptais faire à la base. On va bien mériter un petit peu de repos. Acquisition des données locales. Pour finir. La coûte de Milka. On a débloqué la map du centre. Cette zone extrêmement dangereuse. Et puis on continuera un petit peu par là. Ouais, c'est ce qu'on fera. Eh, il ne reste plus beaucoup de souvenirs à avoir, hein. C'est cool ça. Donc on poursuivra par ici. Je vais me retéléporter au niveau du relais de l'orée de la plaine. Quoique peut-être même au sanctuaire. Il était peut-être dans l'eau, ouais, peut-être revenir ici. Et on fera le reste du chemin. Allez, j'espère que t'as apprécié cet épisode. Et je donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda. Sur ce, porte-toi bien. Et bisous, à la prochaine. Bye. Ouh, ça m'a crevé tout ça.